Salut les gars. Nouveau glitch, duplication de véhicules de la rue. Facile à faire. Il faudra suivre les étapes que je vais vous dire. Donc vous devez être deux joueurs. En premier, vous allez dans Amis. Vous cherchez votre ami. Exemple, Fab. Envoyer une invitation à un jeu. Donc ça, d'entrée, vous le faites. Après, votre ami vous rejoint dans la session. Là, vous ferez apparition, dernière position. Donc c'est pas moi qui va faire le glitch, c'est mon poteau. Et moi, je vais bloquer le véhicule au niveau de la portière. Du temps qu'il quitte et qu'il revienne. Donc là, il est parti customiser à fond le véhicule. Pas de balise, pas d'assurance, pas d'explosif. Il customise à fond. Peinture, jante, tout. Au maximum, toutes les pièces les plus chères. Ensuite, il va revenir à son garage. Son garage, il faudra qu'il soit plein. Bon, on va dire rempli des ligues. Comme ça, vous ferez échange. Quand vous rentrerez le véhicule, vous ferez un échange avec une ligue. Il faut que le garage soit plein. Peu importe si vous en avez 5. Remplissez le reste avec vos voitures personnelles. Mais remplissez-les à fond. Donc mon ami, il va venir ici, je vais bloquer sa portière. Lui, il va aller dans les paramètres. Il va changer l'année. Pendant qu'il revient dans le jeu, il compte jusqu'à 10 et il va mettre la bonne année. C'est-à-dire 2018, il revient dans le jeu. Il retourne mettre 2017. Ça veut dire qu'il va faire bugger la session. Il va se retrouver avec le véhicule qu'il va mettre dans son garage et échanger avec une éliguée. Une fois qu'il a fait ça, il sort du garage et il me rejoint dans ma session. Donc comme il a mis dernière apparition, il va réapparaître ici. Il va récupérer le véhicule que j'ai bloqué. Et il va recommencer la manipulation. Pareil. Il va changer l'année. Il va remettre l'année. Il rentre le véhicule dans son garage. Il sort du garage et il me rejoint. C'est pas plus compliqué. Donc là, on va le faire. Il est en train de me rejoindre. Il a customisé le véhicule maintenant. Donc comme il n'y a pas de balise, pas d'assurance, c'est comme si c'était un véhicule qui ne lui appartenait pas. Cherchez pas à faire ça avec des véhicules personnels ou quoi, ça marchera pas. Donc voilà, mon pote, il est là. Il va se mettre bien bloqué. Donc là, moi je bloque son véhicule. Attends. Allez, c'est bon. Lui, il est en train de quitter. Là, il est en train de changer l'année. Il va remettre l'année. On va le voir qu'il a quitté la session. Joueur parti. Donc là, lui, là, il est en train de rentrer le véhicule dans son garage. Il fait un échange. Il sort du garage et me rejoint.
j'ai fait une vidéo juste avant où c'est moi qui le fais le glitch. Là vous verrez d'une autre façon. J'ai peut-être oublié de vous dire qu'il fallait bloquer bien la portière et la voiture pour pas qu'il sorte aussi. Pour pas que le PNJ sorte. Donc là c'est pas mal. Il va nous rejoindre, il va pas tarder à arriver. Il y a un chargement. Comme il a mis dernière apparition, dernière position, il va arriver juste à côté. Vous voyez là, il est là. Donc, dès qu'il est à côté de moi, je vais lui laisser le véhicule. Là, va derrière la portière déjà. Voilà. C'est toi qui es dehors ? Ah merde, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais je l'ai pas vu ton PNJ. Ah ouais, d'accord, c'est lui que j'ai monté en l'air. Ah ok. Bon, je l'ai mal fait parce que j'ai glissé à un moment. Donc voilà, vous voyez là, il a déjà sa première voiture. Et là, il recommence, il change la date. Change l'année, il revient dans le jeu en même temps, il compte jusqu'à 10 et il retourne mettre à la date 2017. Lui va se retrouver tout seul dans la session. Il a juste à accélérer, aller dans son garage, rentrer la voiture, sortir de son garage et me rejoindre. N'oubliez pas de sortir du garage. Elle valent 200 000. La Shafter, c'est la meilleure. Ouais, ouais, c'est la meilleure. C'est là qu'on achète en blindé aussi. Bien joué. Donc, vous voyez, là, il est déjà revenu. Il a déjà fait deux duplications. Allez, là, je le laisse rentrer dans son véhicule. Je devrais aller faire un tour, il y a un problème. Voilà, et vous faites ça à l'infini. Vous remplissez vos garages, vous devenez riche. Et vous mettez un petit message. Merci Fredo. Allez, je vous fais une bise à tout le monde. À vendredi, préparez-vous aussi pour vendredi. Nouveau glitch. Duplication de Lowrider. Il vous faudra un bureau de PDG. Un garage qu'il y a dans le PDG. Et un atelier de custom. Voilà. Donc là, mon collègue, il va se préparer à fond pour vendredi. Et j'espère que vous aussi, vous serez prêts. Et je vous sors la vidéo vendredi soir. Soyez prêts, abonnez-vous. Un petit partage, ça fera toujours plaisir. Au revoir tout le monde, bonne semaine.